C'était lors d'une balade, d'une prospection sur le territoire des Trois-Monts. On a découvert sur le site des éléments qui nous ont un petit peu interpellés. La première chose qu'on a trouvée, c'est un bout de tuile gallo-romaine. Et la question, c'est qu'est-ce que fait une tuile gallo-romaine sur un site perché à 600 mètres d'altitude où il n'y a absolument rien. Le Mont Châtel, c'est une colline du Revermont qui culmine à 600 mètres d'altitude avec un large panorama ouvert sur toute la plaine de Bresse. On est à 18 km au nord-est de la première ville antique du Haut Moyen-Âge de cette époque. Ce site dit des trois collines avec le Mont Mion au nord, le Mont Châtel au centre et Montfort au sud, et qui sont d'ailleurs à l'origine de plusieurs légendes, dont celle de Gargantua. Alors la période mérovingienne, c'est celle qui succède à l'Empire romain, donc, qui tombe sous la pression des invasions barbares de l'Est et du Nord, germaniques. C'est une période qui était largement dominée par le funéraire, la fouille des tombes, puisque elles sont aisément identifiables par leur architecture, par le mobilier qu'elles contiennent, les dépôts funéraires. Le Mont Châtel est une création de la seconde moitié du VIe siècle et on pense que l'habitat est abandonné dans le courant du VIIIe siècle, mais qu'on continue malgré tout à inhumer encore ponctuellement dans ces églises, tout simplement parce qu'on a encore des proches et les églises perdurent un petit peu plus longtemps avant la ruine totale de l'établissement. Étudier cet établissement de hauteur nécessite de prendre en compte tout l'aspect du peuplement alentour et donc toute la plaine, les axes de circulation jusqu'à l'autre pôle important, l'agglomération, le bourg de Broux, Bourg-en-Bresse. Sur ce chantier, David m'a demandé de travailler sur l'environnement du site, c'est-à-dire de réinsérer le site dans un espace. Pourquoi ce site là-haut et dans quel contexte? Les premières informations, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que pour cette période-là, on connaît très très mal l'environnement. En 2016, j'ai travaillé sur de la documentation médiévale, la fin du Moyen-Âge, 15e, exactement en 1419. Donc c'est comme ça que, par exemple, j'ai pu me rendre compte que le site du Mont Châtel, pour l'instant, dans toutes ces sources-là, n'est jamais cité. Donc il a été totalement oublié, en tout cas omis de la documentation. Donc là, je travaille sur le cadastre de la commune de Pressia qui a été dressé en 1824. C'est un secteur qui est totalement occupé, hein, que ce soit par des bois communaux ou des pâtures communales, et puis une parcellisation de l'espace qui est déjà bien établie autour d'axes de circulation comme le chemin du Creusil. Quand on compare avec la documentation de 1419, tout de suite on se rend compte que tout le secteur ici de la Combe des Marcheurs, donc le bas du chemin des Creusils, le versant nord, on va dire, du Mont Châtel, était occupé essentiellement par des pâtures et des broussailles et des bois. Et quelques petites parcelles, probablement de culture temporaire. Donc on est sur une autre dynamique d'exploitation de l'espace. Avec le site qui est là, et ce qui est très intéressant, c'est que pour accéder à la pâture, on a conservé cet espace-là, que les bêtes montent au pâturage sans traverser les champs cultivés. Et en fait, c'est probablement le passage qui a été respecté, en quelque sorte, fossilisé par l'usage d'accès au Mont Châtel. Sa position, qui est une position dominante, qui est une position extrêmement visible, mais pas de partout, essentiellement de la plaine. Donc ça pose la question aussi de la représentation symbolique dans l'espace de cet objet. Par contre, toutes les circulations s'effectuaient en devant, vers l'ouest du Mont Châtel. Bien sûr, on avait une liaison entre Cuisia et Pressia. Et puis on avait toutes les circulations de la plaine, notamment c'est la route qui partait de Lyon, passait par Bourg et Lons et montait jusqu'à Besançon, qui est une très très ancienne voie.
On se trouve dans le cœur de l'église. Vraiment dans le cœur, là c'est le pied central de l'hôtel. C'est la fenêtre, là où les fenêtres au centre du cœur qui ont versé quoi. Voilà. Voilà, donc après on démonte et ça partira en labo et il y a des gens qui vont vraiment les observer, les redessiner. Et ça nous donnera en fait l'architecture de la fenêtre. Et moi j'espère trouver dessous des bouts de vitraux, de vitrail, voilà, du verre, j'en ai déjà trouvé un petit peu, mais pas assez à mon goût. L'occupation de hauteur du Mont-Châtel s'étend sur une emprise d'un hectare deux, une terrasse sommitale qui accueille deux grands bâtiments, deux églises, avec tout autour des multiples aménagements et des habitats en pierre et en terre et bois. Ce qui est tout à fait particulier, c'est vraiment l'implantation de ces deux églises, deux vastes édifices construits en pierre à toiture de tuiles, qui nous étonne un petit peu. Une aire funéraire près d'une église, une église avec elle-même des tombes à l'intérieur, dans l'ensemble de l'édifice. La présence de ces deux églises pose bon nombre de questions, puisqu'il s'agit encore à l'heure actuelle un des très rares sites en France à livrer deux églises de la période mérovingienne. Ce sont des édifices que l'on a l'habitude de rencontrer en plaine, dans des agglomérations, mais absolument pas sur des points hauts. Elles ouvrent toute une série de questions. Quel était leur rôle ? Puisqu'on a une église funéraire, une église pour le culte avec son autel. Elle suppose la présence d'un prêtre, mais on n'est pas pour autant dans le cadre d'une paroisse, c'est encore trop tôt. Voilà. La découverte des sarcophages a été un moment clé de la campagne de l'année dernière, d'autant que ces sarcophages, en tout cas pour l'un d'eux, est intact avec son couvercle, n'a jamais été ouvert. Et leur présence témoigne aussi de personnages importants inhumés dans cette église. On est sur une fouille de sarcophage qui est située au cœur de l'église. Et donc, dans le cadre d'une fouille de sépulture, le but, ça va être de mettre en valeur les os afin d'avoir une lecture complète à l'issue de cette fouille, tout en ne faisant pas bouger les os. Ici, on peut voir qu'il y a un individu qui est en connexion, c'est-à-dire qui s'est décomposé tel quel et une partie de son corps n'a pas été bougée après. Et ici également, on voit qu'on a un individu périnatal, c'est-à-dire qui est aux alentours du moment de la naissance. L'étape fondamentale, c'est une fouille fine de l'ensemble des pièces anatomiques. Et à partir de ces différents éléments qui sont liés en fait à la décomposition du corps dans la terre, on va pouvoir essayer de caractériser l'espace de décomposition. Et ça va nous donner des indices en fait sur la présence éventuelle, par exemple, d'une enveloppe souple, périssable, linceul, vêtements, mais également d'un coffrage, coffre en bois, aménagement en pierre. Tous ces éléments vont nous permettre, in fine, d'étudier les pratiques funéraires. Là, on a un exemple de maladie qu'on peut observer. Donc là, évidemment, le rachis est sale, il faudrait le laver, mais vous voyez ici, il y a des ponts osseux qu'on retrouve et qui correspondent en fait à ce qu'on appelle l'hyperostose vertébrale ankylosante, la maladie de Forestier, donc c'est une maladie métabolique, d'origine métabolique qui touche le sujet âgé. Donc déjà on sait qu'il est âgé. Pas mal, ouais. Au moins 60 ans. Nous sommes au laboratoire d'anatomie de l'Université de Besançon, hein, l'UFR de médecine. Et donc là, nous sommes dans la salle de dissection. Alors, dans un premier temps, le fait d'avoir étalé le squelette nous permet d'appréhender ce qu'on avait un peu déjà vu sur le terrain, le profil morphologique de l'individu. Donc a priori, il est plutôt gracile, extrêmement gracile. Donc ouverture
de l'échancrure sciatique. On a une forme particulière assez ouverte de la surface auriculaire. Femme donc, c'est bien. Donc c'est plutôt bien. Féminin. C'est plutôt féminin. Aurait... Donc le second individu est un individu féminin. D'accord. Donc on a une tombe double, homme-femme. L'hypothèse d'association de deux individus proches, homme et une femme, éventuellement un couple. Tout à fait. Est plausible par cette détermination du Tout sexe. À fait, elle est plausible. Ouais. Et après, au niveau de l'âge, alors ? La surface auriculaire, elle est assez nette, quelques porosités. On a quand même globalement un individu autour de la quarantaine, à peu près autour de la quarantaine. On est sur un cimetière qui n'est pas un cimetière de village, probablement pas. On n'a pas toute la communauté des vivants. On a probablement un site où il y a une sélection des défunts. Et donc tout ça constitue autant de questionnements et d'intérêts. Là, c'est intéressant parce qu'on voit bien les flammes de la structure de combustion. Et dans l'angle de cet habitat, on a ici une structure circulaire, peut-être un four. On a les vestiges de construction qui sont cette fois-ci des bâtiments d'habitation ou d'activités diverses, mais on n'est plus du tout dans les techniques de construction des deux églises. S'agit-il d'un grand domaine, d'un riche propriétaire terrien, comme le laissent entrevoir quelques textes de Grégoire de Tours ou de Sidoine Apollinaire pour la partie sud de la France, c'est une possibilité. De fouille en fouille, si l'on résout tout un certain nombre de questions propres à l'établissement, comme des activités artisanales qui se développent à l'intérieur, le traitement des céréales, le travail de l'os, on ouvre aussi d'autres questions qui vont ouvrir d'autres secteurs de fouille pour tenter d'y répondre. On réalise plusieurs sessions de fouilles tout au long de l'année avec des étudiants, avec des bénévoles locaux, avec des gens intéressés par ce patrimoine à différents degrés. Le site fait l'objet d'un programme pluriannuel qui s'étend sur 3 ans avec des objectifs bien précis. L'étude des systèmes défensifs, l'étude des édifices religieux et des tombes, l'étude des habitats. On est très content d'avoir découvert ce site-là, parce que du coup, ça met en exergue un territoire et ça mobilise un territoire, ça mobilise des bénévoles, ça mobilise des associations, ça a mobilisé des collectivités, ça a mobilisé des musées. Aujourd'hui, on a un territoire qui, grâce à ce Montchâtel, a commencé à une démarche d'existence, une démarche culturelle. On écrit l'histoire du département et du Revermont, et ça, on le trouve nulle part ailleurs qu'ici. Ça va au-delà du site du Montchâtel lui-même. Ça permet de faire déjà un état des lieux des connaissances archéologiques sur le coin, et puis de comprendre aussi les dynamiques dans le temps, sur le très long terme, pratiquement sur 2000 ans. Le Montchâtel est toujours existant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'a jamais disparu, en fait. Là, il réémerge sous une nouvelle forme. C'est une belle opportunité d'écrire à la fois l'histoire locale autour du Montchâtel, mais aussi de participer à l'écriture d'une histoire beaucoup plus globale sur le plan national. J'ai hâte, c'est d'avoir mon corpus d'individus pour justement pouvoir savoir à quoi ça correspond. Qui sont ces gens? Comment ils ont vécu? D'où éventuellement proviennent-ils? On a eu des traces de prélèvement d'os dans certaines sépultures. Pourquoi a-t-on ou pas au Montchâtel pris des os pour constituer des reliques? Voilà une des grandes questions auxquelles on va tenter de répondre l'année prochaine.
La campagne 2018, elle est particulièrement intéressante par les nouvelles découvertes qui ont été réalisées. Le secteur que l'on avait ouvert l'année dernière et que l'on a terminé cette année, il s'agissait d'avoir l'intégralité de l'espace entre cette mémoria, ce mausolée en l'honneur des défunts et l'église, être sûr d'avoir la totalité de la population inhumée autour de ce monument funéraire. Il s'agissait aussi de comprendre l'accès à cette église et d'en étudier les élévations, comprendre le sol d'origine des 6e et du 7e siècle. Ici, on est donc sur le mur extérieur de l'église, qui est proche de la falaise, on va dire. Plusieurs objectifs. Le premier, c'était de savoir s'il y avait des sépultures contre le mur de l'église ou proche de l'entrée. Le deuxième objectif, c'était de connaître l'élévation, s'il y avait beaucoup de hauteur au niveau du mur. Pour les parties habitat, on ajoute un nouvel habitat à celui de l'année passée. Une construction là aussi originale, puisqu'elle s'encastre dans la roche, avec des gros murs solins destinés à supporter une poutre sablière qui elle-même supporte toute l'infrastructure du bâtiment. Et ce que l'on peut lire aussi, c'est que l'on a réellement une densité importante de cet habitat, et non pas des bâtiments qui s'ajoutent au fur et à mesure dans des espaces vacants, mais vraiment une trame presque urbaine, une trame préconçue dès l'origine, où l'on densifie et où l'on organise la totalité de l'occupation de cet établissement perché. On est à 1,53 m. Là, on est dans l'habitat, en fait, la zone d'habitat. Par moment, en fait, on a peu de murs. Une grande partie des pièces sont creusées dans la roche. On a des murs qui sont construits à même la roche, en fait, déjà. Et par endroits, par contre, on les perd, donc ils ont été probablement réutilisés, on les a récupérés, en fait. Ensuite, à 2 mètres, on est à 90. On réalise un relevé sur papier millimétré du mur, en fait, donc on relève en coupe. L'objectif premier, c'est de pouvoir reporter, en fait, sur dessin, sur papier, son profil. On commence déjà à réfléchir comment est-ce qu'on a construit ce mur-là. Par exemple, les premières questions qui arrivent, c'est est-ce qu'il est lié par du mortier ? Non, il est lié par de la terre. Est-ce que les blocs sont disposés de façon cohérente ou non ? Je travaille sur le mur d'enceinte, la fortification du site. Le dernier objectif de cette année, c'était aussi de documenter ces espaces de circulation. Donc, pour mémoire, cet espace qui permet de faire tout le tour et qui ceinture toute l'occupation, sauf au nord où se trouvent les falaises. Il s'agissait de comprendre de quoi était constitué ce niveau de circulation. Est-ce que c'est un empierrement ? Est-ce que c'est un niveau beaucoup plus construit ? De connaître sa largeur aussi, puisque là, on a une plateforme qui fait 6 à 7 mètres de largeur. C'est beaucoup, beaucoup trop important pour un espace de circulation à l'échelle de cet établissement. Donc, on devait voir de quoi était constitué ce niveau de circulation. Ce que je suis en train de fouiller avec Rémi, c'est la partie du mur qui a probablement est en partie déversée dans la vallée. On essaie de retrouver cette largeur de mur qui permettra alors probablement de définir si c'était un mur rempart ou un mur plus d'habitation. J'aimerais bien l'avis de David quand même sur l'histoire, parce que moi je sais pas là, il y a trop de caillasses. Le mur, on l'a d'un côté, mais là, peut-être qu'on l'a de l'autre, mais là-bas, il n'y est pas pour l'instant. On s'attendait à trouver des vestiges sous cette levée de terre et de pierre, sous ce gros, gros bourrelet. On s'attendait à trouver un rempart maçonné, tel qu'on en connaît quelques-uns en France, mais absolument pas de cette facture, de cette puissance et de cette qualité de construction.
ce qui place donc le site d'emblée en haut de l'échelle sociale. De tels remparts, on en connaît pour la période mérovingienne que 5 à 6 pour tout le territoire national, pour toute la France. Les habitants n'avaient pas connaissance de quelque chose de particulier par rapport à ce Mont-Châtel. Il est à un peu plus de 600 mètres et il y a vraiment 300 mètres de dénivelé pour y accéder. Vers le Mont-Châtel, donc, ils ont trouvé des fragments de tuiles romaines et puis également de la pierre olaire. David Biloin est venu très rapidement parce qu'il avait repéré ce site par rapport à son nom, Mont-Châtel, et puis par rapport au Montfort qui était à proximité. On a ici un fragment d'épitaphe, c'est à la mémoire d'un personnage important. On n'a pas toute l'inscription. Dans ce tombeau repose de bonne mémoire, trois points de suspension, qui vécut plusieurs années et qui mourut en paix le... Plusieurs questions se posent. Qui pouvait fortifier à l'époque ce domaine ou cette agglomération? Quel est le niveau de l'aristocratie qui peut se permettre ce type d'investissement sur un tel site? Ce sont de grandes sépultures, 80 cm contre 40 pour la plupart des sépultures que l'on retrouve ici, avec donc deux individus, la question étant de savoir si ces deux individus ont été inhumés simultanément ou si un dépôt est venu se faire après un autre. Ce qui est intéressant également sur cette sépulture, c'est la position des individus. On n'est pas dans ce qu'on appelle le décubitus dorsal, c'est-à-dire ils ne sont pas sur le dos. On a terminé une phase de fouille pluriannuelle de 3 ans qui s'est achevée l'année dernière avec l'étude des éléments structurants principaux du Mont-Châtel, à savoir le système défensif avec le rempart, la fouille de quelques habitats, la reconnaissance d'une église, puis d'une deuxième, ça avait été une surprise. Et là, on attaque de nouveau une triennale avec pour objectif l'étude, cette fois-ci, de ces édifices religieux. Vous avez juste à côté de moi ici une pièce qui a été ajoutée, agrandie à cette église, avec une fonction funéraire, avec des tas de sépultures. 3 autres pièces qui s'enfilent au nord, une funéraire et 2 autres pour d'autres fonctions. On voit qu'on a affaire à un plan préétabli d'avance et pas des bâtiments qui s'ajoutent comme ça au fur et à mesure, au fil de l'occupation. On va s'intéresser à l'église funéraire et son contenu. Qui sont les personnes enterrées dans cet édifice? Où sont-ils enterrés? Avec quel type de contenant? Des sarcophages, des tombes à dalles, des tombes qui sont construites en même temps que l'édifice, donc c'est tout à fait particulier. Et donc l'objectif, au final, au bout de ces 3 ou 4 années qui viennent, ça va être de comprendre quelle est la population du Mont-Châtel. Jusqu'à présent, on était resté sur des fouilles superficielles d'une vingtaine, trentaine de centimètres de profondeur. Et cette année, on rentre, si je puis dire, dans le vif du sujet, puisqu'on a des élévations vraiment tout à fait exceptionnelles, des murs d'un mètre à 1,30 m de hauteur, ponctuellement conservés, toutes les tombes maçonnées, agencées avec des dalles verticales, avec des murets, avec des couvercles, parfois des doubles couvercles. Pour cette fouille-ci, on a commencé par enlever les dalles qui se trouvaient dessus. Donc une phase ensuite dite de décapage un peu plus rapide avec la truelle.
Et dès qu'on arrive sur les premiers ossements, on utilise donc des outils de dentiste, mais également l'aspirateur, qui permet en fait d'aspirer le sédiment plus rapidement, surtout quand on a des fosses quand même assez profondes. Ça évite notamment de faire bouger les os. Et ça donne aussi des sépultures beaucoup plus propres. Et là, on voit les petits traits, là. On prélève en respectant les zones anatomiques du squelette. On va prélever le crâne séparément. Ensuite, on va prélever ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, c'est les omoplates, les clavicules. Ça va permettre une lecture plus simple du squelette, parce que quand il va arriver au lavage, il sera déjà réparti par ces sections. Et ensuite, on va le laver, le laisser sécher, et l'anthropologue pourra à nouveau réétudier les os, par exemple les mesurer, faire des observations s'il y a eu des maladies, des fractures ou ce genre de choses. C'est la progression de la fouille, effectivement, qui nécessite de toujours adapter les méthodes à son travail. Certains objets sont très fragiles et ne peuvent pas être prélevés directement. Donc il faut évidemment prendre toutes les précautions, toutes les mesures pour les sortir de la tombe en les préservant au mieux possible. Et pour certaines garnitures de ceinture, on est obligé de les plâtrer sur place, de les sortir en motte, en les référençant toujours par rapport au squelette et à la tombe, pour pouvoir les confier au laboratoire de restauration des métaux. Le rôle premier de l'archéologue, c'est de toujours restituer le patrimoine, l'histoire qui sort de terre, et la restituer au public à travers une exposition en cours de fouilles, ce qui est tout à fait exceptionnel et très intéressant pour les habitants ou les gens de passage. Ils ont la possibilité de voir à la fois un chantier de fouilles et l'exposition en cours. Alors là, on est dans la deuxième église, l'église dédiée au culte. La chose qu'on a trouvée qui est très belle, c'est cette pierre de sol, quoi, grande dalle sur laquelle on marchait. C'est la seule qu'on ait encore, ça n'a pas été retiré, ils ne sont pas partis avec, ils l'ont laissée, sans doute parce qu'elle était abîmée, quoi, cassée. Mais nous, on est très, très contents parce que c'est la seule qu'on ait. On est parti, je dirais, de rien, puisque le site n'était même pas connu, complètement anonyme, complètement oublié sous ce couvert forestier. Et là, au bout de 4 ans, on commence à prendre la mesure de l'investissement nécessaire à la construction de ces édifices, en particulier ces églises, dont on voit les élévations très conséquentes, remarquablement conservées pour la période. On accède aussi à tous les gestes funéraires, alors du fossoyeur, des proches, des réinterventions dans les tombes, on s'approche réellement au plus près des vivants, si je puis dire, à travers les morts, quoi, à travers les squelettes.